au-dessus des autres. Vous avez vu cette petite maison? Sur son toit, il y a une sorte de faux château. Et il y a un feu bleu qui éclaire sa fenêtre. C'est un cinématographe qui garde des images collées sur sa vitre, colorées comme une belle carte postale. Merci, je vais être une vedette en attendant les coureurs du Tour de France. Ça sent pas bon cet assassinat de l'archiduc à Sarajevo. T'as raison mon frère, ça sent la guerre. Ne vous inquiétez pas, dans mon régiment d'artillerie à Rennes, on est bien préparé au tir de canon de 75. Ne pleure pas, je reviendrai bientôt. La guerre ne va pas durer longtemps. À mon retour, on se mariera. Prends ma photo, je serai comme ça, toujours au corps de toi. J'ai une mauvaise nouvelle. C'est Adrien ? Oui, il est tombé au champ d'honneur. Vous faites quoi, là ? Je creuse. Mais vous creusez quoi ? Une tombe. Puisque je n'ai pas pu enterrer mon filleul, j'enterre son vélo. Comme ça, il restera quelque chose de lui près de nous pour nous recueillir. Fleur au fusil, tambour battant, il va. Il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat. Un adjudant pour surveiller ses pas. Et son bardac contre son flanc qui bat. Quand un soldat s'en va en guerre, il a dans sa musette son bâton de maréchal. Quand un soldat revient de guerre, il a dans sa musette un peu de linge sale. Partir ou mourir un peu, à la guerre. Les gueules cassées, c'était ces soldats qui avaient été mutilés pendant la guerre, c'est-à-dire camouflés par un pantalon et une chaussure. Et donc on voyait les soldats, enfin les anciens soldats, qui commençaient à être des messieurs âgés, avec leurs béquilles sous les aisselles comme cela. À quel point les hommes de l'époque ont subi cette boucherie, parce que la guerre a été tout à fait terrifiante. Et alors, l'avantage que nous avons pour nous rendre compte de ce qu'a été cette guerre, c'est que ça a été la première guerre qui a été photographiée et filmée.
peintre de notre département qui a beaucoup, beaucoup peint la guerre 14, pas seulement. D'ailleurs, il est plus connu pour le reste de son œuvre que pour ses œuvres de la guerre 14. C'est Mathurin Néel. La stratégie allemande, reposant sur une rapide défaite française grâce à la guerre éclair du plan Schlieffen, fut gravement ralentie en raison d'une forte résistance à Liège, Namur et surtout à Anvers. Ils subirent de lourdes pertes en escartant le plan de selon le 17e plan de Joseph Schock, les Français lancèrent 5 conflits. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quoi d'autre? En effet, il est en train de sculpter le soir le soldat. Donc ça, c'est un couteau de la Première Guerre mondiale. Il y a encore les dates dessus. D'accord? Campagne 1911-1916. Les Allemands tombèrent par milliers. En réalité, nombre d'entre eux étaient persuadés que l'adversaire disposait de mitrailleuses tant ses tirs étaient rapides et précis. Parler des conditions dans les tranchées. Qu'est-ce que l'on pourrait dire? Comment vivaient les soldats? Comment est-ce que c'était? La boue? Dormaient mal? C'était difficile. C'était très difficile. Tu as fabriqué était trop petite pour elle et elle m'allait très bien.
Je ne la quitte plus, matin et soir. Content de te revoir. Mais à chaque fois que je me suis réveillée, j'ai vu que ce n'était pas vrai. Je te serre fort dans mes bras et j'espère que tu viendras bientôt. Je te soignerai. Et tu te regardes, je ne suis pas toujours sage, mais je vais le devenir. Je t'embrasse très 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 fort, Georges. Voici le menu potage velouté, brochette sauce riche, bouchée à la reine, filet de bœuf à la demon, poulet au cresson, salade, petit pois à la française, glace Jeanne d'Arc. Je t'empresse en faisant des vœux pour que tu reviennes bien vite. On tuera le cochon. Par terre, on est tatoué sur le buffet. Quand ça nous chante, on l'a chanté. Qui a les poules? C'est nous. Du Sacré-Cœur Pelvénan. Garde à vous. Garde à vous.